Souvent associé aux grandes métropoles, l'art urbain ou street art est un mouvement artistique contemporain qui se développe en Valais. Cette forme d'art, prenant souvent la forme de fresques murales en espace ouvert, intègre les guides de tourisme et génère un grand intérêt du public. Dans un canton touristique tel que le Valais, dans lequel la nature rencontre de grands éléments d'infrastructures souvent sobres, pourquoi ne pas investir ce vide et donner plus d'envergure au paysage en valorisant l'environnement et la culture locale ainsi que ce patrimoine bâti? Le projet Parcours de l'eau est un projet qui est intégré dans l'expérience plus globale qui s'appelle Art Valais. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux gens de découvrir le Valais par le biais d'art urbain. Et le projet Art Valais permet de voyager depuis le lac jusqu'au glacier du Rhône ou vice-versa, en traitant des problématiques de l'eau et en mettant en avant vraiment l'importance de la ressource de l'eau, comment elle a façonné notre paysage, notre manière de vivre, nos activités. Le projet Art Valais a pour objectif de faire intervenir vraiment une multitude d'artistes venus d'ici, du Valais, de Suisse et de l'extérieur, pour avoir ce regard nouveau autour des questions de l'eau. On a choisi le thème de l'eau parce qu'il relie tout le territoire valaisan, en particulier par le biais du Rhône. Dans tout le territoire, en fait, le paysage a été retravaillé en fonction de la disponibilité de l'eau. On a vraiment sélectionné chaque lieu en fonction de la volonté des communes, de l'intérêt qu'on peut apporter sur le territoire communal. Et les artistes sont sélectionnés en fonction de l'ADN qu'on veut mettre en avant. On cherche vraiment à présenter le patrimoine culturel, mais de manière participative avec les communes. Ici, ça s'est fait avec les enfants de l'école. C'est vraiment une démarche participative qui apporte une plus-value, en plus d'embellir l'espace public. Du glacier au lac, en passant par les barrages et les bisses, l'eau lie depuis toujours la terre à ses habitants et n'a cessé de marquer l'histoire valaisanne. Cette relation particulière servira de fil rouge aux œuvres du projet Parcours de l'eau. Les murs valaisans seront alors les toiles d'artistes d'ici et d'ailleurs et feront du Valais, qui sait, une destination incontournable du street art.